Hi guys, je suis très contente de vous retrouver pour la réaction de l'épisode 22 de cette saison 10 de The Walking Dead. Qui dit épisode 22 dit Negan, donc c'est l'épisode que j'attendais depuis des saisons, des saisons, des saisons sur Hills Negan. On va apprendre à mieux connaître Negan, on va comprendre pas mal des facettes de sa personnalité. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a certaines choses qui vont ressembler aux comics ou si on part vraiment sur un autre délire. Je pense qu'il y aura des similitudes mais qu'on va partir quand même sur autre chose. Voir en plus un couple qui est ensemble en vrai dans la vraie vie, ça peut juste être très émouvant, très particulier, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, de découvrir ça. Ben, en même temps que vous. Allez, c'est parti! Ah, les regards comme ça là! Ah, Carole qui regarde ça, j'espère que ça va pas s'entretuer. De toute façon, ils vont devoir se croiser, donc c'est repousser le truc un peu plus loin, quoi. Bon, bah. Je m'y attendais, mais je suis dégoûtée quand même. Voilà, quand t'as fait son sourire comme ça, je suis pas trop fan là. Ok, d'accord. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ça va être sympa d'habiter là, Alone in the Dark. Il va y avoir un truc qui va se passer pour qu'ils reviennent avec eux. Par contre, il y a intérêt d'être là dans la saison 11 parce que là, on va pas être d'accord. On va vraiment pas être d'accord. Ouh là là, il est dans son délire. Mais je pensais que Carole serait là du coup. Oh là là, il a des visions, super. Encore! Qu'est-ce que c'est que ces personnages complètement cinglés? Je sens que je vais tellement aimer cet épisode. Ouh là 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 là! Negan, les origines. Putain, qu'est-ce que j'en attends de cet épisode? Ça a intérêt d'être. Je suis trop hypée là en fait, c'est ouf. Oh, voir Rick dans la série, oh là là, ça fait bizarre. Rick me manque, Rick me manque, Rick me manque. Même Michonne, on la revoit quoi. Il va pas faire tout le chantier. Ramener la pelleteuse. Ah, c'est ce qui me semble, il faut qu'il creuse partout. Il a détruit tout le champ. Ah. Je suis sûr que c'est pas ça, si. Oh. Ah ouais, t'es vraiment enterré là quoi. Moi je pensais que c'était du bluff. La relique. Attendez, c'est passé quand même un petit paquet de temps. C'est bien conservé quand même. 12 years. Earlier. 12 ans plus tôt. Wow, c'est bizarre de le voir en position de dans le mal. Il fait tellement plus jeune, c'est fou. Ah, j'espère qu'il va aller faire du sale, mais très sévère. Ah, 2 ou 3, c'est pas très précis, mais pour une fois. En fait, c'est tellement dans la tête de Negan que lui, c'est plus si c'était 2 ou 3 jours, donc ils ont mis 2 ou 3 jours. Voilà. Mais ouais, du coup, Laura était une fille sympa. Ouais, en gros, il a fait le MacGyver de la médecine, quoi. Negan, apprenti médecin, 6 semaines plus tôt. Par contre, ils arrivent quand même à avoir de l'électricité. Ah ouais, vraiment, il fait vraiment attention à la température. Enfin, en même temps, c'est normal, mais... Ah, il est tellement attentionné et tout, il fait tellement les choses bien. Ça fait vraiment trop bizarre de les voir ensemble. Oh là là. Ah, ça devait être dingue de... Je vais voir le making-of, je vais tout voir. C'est trop bizarre. Mais c'est trop cool. Non, en vrai, pas très doué, Negan, hein, pour l'instant. Hein. Ah ouais. Et bien heureusement qu'elle était là. Ah ouais, ok, c'était la dernière balle chaude. Je me jure, ça va être trop bizarre. Ah, lui, il préfère la garde en sécurité et tout ça. Il est trop mignon. Oh, cet épisode est vraiment trop mignon. C'est dingue de le voir aussi mignon, aussi gentil, aussi doux, quoi. C'est incroyable.
Bah, l'air d'aller mieux là. La fameuse veste. Ils sont tellement sincères, c'est ouf en fait, c'est trop. Oh, et on parlait du sujet qui fâche ou pas? Ah, c'est le générateur qui marche plus. Ah, c'est le début des ennuis. Doctors, they take the same route every time. They make the same stops. I will figure it out. Negan, I said stop. Non, je sais pas. C'est un geek, Negan. Are you playing with children? Please tell me that you did not spend $600 on this Happy Days bullshit. You can't be a gym teacher anymore. You have a misdemeanor assault on your record, and you refuse to go back to school. It just feels unfair to give up on him. He loved that job. He loved working with those kids. On voit du Negan qui revient à la surface. Ah ouais, d'accord, donc lui c'est pas important quoi, il s'en fout total. Sauf que là ils vont pas dire que tout va bien. Il va pas répondre parce qu'il va être avec une nana. Wow, il se tape sa pote Janine, c'est ça? So he should have been there 20 minutes ago. I don't have it on my calendar for another 2 weeks. Ah la pauvre, c'est vraiment toutes les mauvaises nouvelles en même temps. J'ai l'impression de revoir un peu Peyton dans cette partie d'épisode. Elle va rouler à fond avec la musique. Enfin, j'étais pas prête. What is it? I've got cancer. You knew about Janine. I want you to know that you made up for it. And you can stop. Now it's time for you to go on without me. Ah, ah ouais, lui demande vraiment d'arrêter de chercher des trucs, quoi. Okay. No, we are not giving up. I'm gonna find these doctors. And I am going to bring you back the drugs that you need, and we are going to kick this cancer out of you. We are not giving up. Not ever. J'ai pas grand chose à dire. 6 weeks ago. You had it all. Everything on your list. I don't know what to say here. Ah, celle qui lui donne lucide. Excellent. Donc on a la veste, on a la batte. Manque plus que le foulard rouge et le barbelé. Story time is over, bitch. Either you tell me where you got him, or I pull this trigger and your wife dies thinking you ran out on her. Ouais, il va lui planter une vis dans l'œil ou je sais pas trop comment il va faire. Il va démonter la chaise pour lui mettre dans la gueule. Il dit toute la vérité. Mais est-ce qu'il dit vraiment où ils sont? Allez, bute-le. Ouais, il a rien pu faire. Ah ouais, non, c'est mort. Je sais pas, j'ai cru vraiment qu'il allait essayer de faire un truc. Ah ouais, non, ok. Il va l'aider. Non, il va pas se barrer. Oh. Oh. Il commence à faire de la merde. Est-ce qu'elle est capable de se suicider pour éviter qu'il continue à chercher des trucs pour elle et se mettre en danger? Ouais, c'est suicidé. Si près du but, elle aurait pu tenir encore un petit peu de temps. Elle va faire Lucille. Alors, c'est la naissance de Negan telle qu'on l'a connue. C'est, l'image est dingue.
les premiers éclatements de tête. Ah voilà, Terreur Negan, le mec qui m'a fait trop peur. Oh, c'est comme vraiment le méchant film d'horreur. Il blague pas. Oh, trop badass. Au moins, il est revenu les aider. Mais là, il a besoin de sortir sa colère et il lui va prendre cher. Je sens qu'il va lui éclater la tête à la Glenn. So my beautiful wife Lucille gets unpolitely asks him if he could keep it down so she could hear her song. Il écoute bien hein, l'histoire pour l'instant, il parle pas. Hein. He chose poorly. I wail on this son of a bitch until he's not moving. Turns out that this prick has kids to go to the school that I teach gym at. Ouais, quand j'avais compris. I don't have a job, so now my wife has to pay his medical bills. There were consequences to me seeing red. Seeing red was a bad thing then. I was a bad man. But see now, nobody's suing anybody. C'est pas les mêmes règles, mais du coup, il fait ce qu'il veut. It's just a question of what I am capable of. I am capable of damn near anything. So this is for naught. Ah, j'ai vu cette façon de voir Negan. Par contre, je suis quand même choquée qu'ils aient dégagé Negan dans des épisodes qui devaient même pas être là. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cet épisode pour qu'il revienne vers les communautés ou qu'il soit dans la saison 11? I couldn't face the pain of losing you, so I ran away. I am sorry that I named a stupid baseball bat after you. I'm sorry for all the pain that I put you through. I hope that you found someone in the afterlife and you are screwing your brains out. Not really, but fair is fair. I miss you. I love the shit out of you. And I am gonna do your fighting for you. Il est attendrissant, Negan, hein, c'est... Bon, on va voir la décision qu'il a prise. I came by here hoping that maybe you could requisition a cart for me. I could bring back my stuff. If you stay here, she will kill you. I just didn't want your death on my conscience, and now it's not. Coup d'ambiance. Donc il reste, et ça va mal se passer. Très bien, très bien, très bien. Bah, c'est bien, hein, Moi, ça me va. Je vais le voir dans la saison 11, donc cool. Cool, cool, cool. Quel épisode. En tout cas, voilà pour la vidéo réaction. On se retrouve très vite pour la vidéo review. Plein de choses à dire, voilà. Voilà, voilà. Salut!